Vous le savez, les autorités iraniennes se livrent depuis plus de 3 mois à une répression particulièrement sanglante des manifestations intervenues suite à la mort de la jeune Mahsa Amini pour un voile mal ajusté. Avec les femmes en première ligne, cette révolte inédite est un appel massif à la liberté dont la contestation du voile obligatoire est le symbole. Malgré la violente répression, la contestation ne faiblit pas, au contraire, elle pousse les jeunes iraniennes et iraniens à intensifier la lutte et à s'organiser chaque jour davantage. Le mouvement de contestation traverse désormais toutes les couches de la société iranienne. L'Iran vit l'une des tragédies les plus importantes de son histoire contemporaine. Depuis le début des soulèvements, plus de 18 500 personnes ont été arrêtées et plus de 500 personnes ont été tuées. Parmi elles, 68 enfants. Les manifestants sortent dans la rue au prix de leur vie en se filmant pour partager avec le monde leur combat et nous faire parvenir leur voix. Ils nous rappellent que la liberté n'est pas un vain mot, pas un privilège occidental lointain, mais bien une valeur universelle qui mérite d'être appliquée et propagée partout et pour tous. À nous maintenant, ici, d'amplifier leurs messages et de les protéger. La répression vient de franchir un tournant avec, comme vous venez de le rappeler, 62 condamnations à mort, dont des mineurs, de nombreux mineurs. Des manifestants condamnés à mort pour le seul chef d'accusation, je cite, de guerre contre Dieu, une réponse inhumaine et criminelle de la part d'un régime théocratique et dictatorial. Au lendemain des pendaisons publiques de manifestations d'à peine 20 ans, vous venez de le rappeler, chaque minute compte avant que la liste macabre des exécutions ne s'allonge. Chaque minute compte face au pouvoir des mollahs qui se braquent et annoncent désormais, je cite, être sans retenue. Fidèles aux valeurs humanistes et universelles si chères à notre République et en particulier du combat juste dans lequel s'est engagée la France en faveur de l'abolition de la peine de mort, nous portons ici la voix de celles et ceux dont le cri est étouffé à des milliers de kilomètres et dont l'exécution est imminente. Au regard de l'immense gravité des crimes à l'encontre des civils pour des raisons politiques, nous sommes incontestablement devant des crimes contre l'humanité, selon la définition du statut de Rome institué par la Cour pénale internationale. Le combat du peuple iranien pour la vie et pour la liberté nous oblige. Les droits de l'homme ne valent que parce qu'ils sont universels, disait le président Jacques Chirac, maire de Paris. Alors, ne détournons plus le regard, aidons l'Iran. Au nom des droits de l'homme, le groupe Changer Paris votera en faveur de l'annulation immédiate des condamnations et des peines de mort.